Alléluia. Yamba loyimbo mutema. Zwa loyimbo ya mutema. Ibonzana pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyimbo ya mutema. Ibonzana pesi na yokolo. Sama yawe kembweza iya yo ibonza na pesi na yokolo umi sama yawe kembweza iya yokolo ibonza na pesi na yokolo umi sama yawe. Nani oya kufelanga ati kanke mbona likolo izali o Yesu aujourd'hui est intitulé Ne panique pas. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, merci pour ce beau moment que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces ascèles qui suivront ces messages, pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Celle ta parole qui est capable de donner la vie. Et laisse que cette parole éternelle Dieu puisse donner la vie à tous ces ascèles qui suivront ces messages. Reçois toute la gloire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Sauveur. Amen. Bien très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Ne panique pas ». Alors, c'est quoi la panique? La panique est un trouble subit et violent qui touche l'esprit de l'homme. Vous savez, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme est bipartite. Il est composé de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. L'homme intérieur, c'est l'esprit de l'homme. L'homme extérieur, c'est la chair. Donc, le vrai homme, c'est l'homme intérieur. Parce que c'est l'homme intérieur qui commande l'homme extérieur. Praise God! C'est l'homme intérieur qui dirige l'homme extérieur. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Job, Job chapitre 32, verset 8, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Prenons ça, Job 32. Job 32, verset 8. En vérité, c'est l'esprit dans l'homme. En vérité, c'est l'esprit dans l'homme. C'est le souffle de Shaddai qui rend l'intelligent. Ça, c'est une autre version. À la vérité, c'est un
c'est un esprit dans l'homme. Donc, en réalité, c'est l'esprit dans l'homme. Praise God. Jérémie, à la vérité, c'est un esprit dans l'homme. Le vrai homme, c'est l'homme intérieur. Donc, si l'homme intérieur est paniqué, c'est fini. L'homme extérieur ne peut jamais relever l'homme intérieur. Parce que l'homme extérieur, c'est l'échantillon. L'homme extérieur, c'est l'enveloppe. C'est l'homme intérieur qui commande l'homme extérieur. Et plus loin, Jean chapitre 6, verset 63, Jésus-Christ dit, hé, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Des Corinthiens, chapitre 4, verset 16, l'apôtre Paul dit, si l'homme extérieur est affaibli, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça signifie, l'homme extérieur peut être détruit, mais l'homme intérieur peut toujours se renouveler. Parce que l'homme intérieur est capable de fortifier l'homme extérieur. Praise God, alléluia. Le but de la panique est de déstabiliser l'homme intérieur. La panique est là pour déstabiliser l'esprit de l'homme. C'est pour cela que Jésus, dans son message, Jean chapitre 14, verset 1, lisons ça. Jean chapitre 14, verset 1. Évangile de Jean, chapitre 14, ok, c'est Jean. Jean, chapitre 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Le cœur dont la Bible parle ici, c'est l'homme intérieur. Le cœur dont la Bible parle ici, c'est l'esprit de l'homme. Que votre esprit ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. D'une autre façon, que votre cœur, que votre esprit ne se panique pas. Que votre esprit ne panique pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Ne panique pas. La panique est capable de déstabiliser l'homme intérieur. Or, si l'homme intérieur est déstabilisé, c'est fini. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Nous allons analyser un peu ce passage. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Le verbe croire ici est à l'impératif. Votre cœur
ne sera pas troublé si tu crois impérativement à Dieu. Ton esprit ne sera jamais troublé si tu crois impérativement à Dieu. C'est-à-dire, crois à son existence. Crois que Dieu est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a réglé tout l'écosystème. C'est lui qui a réglé la température. C'est lui qui a réglé les vents. C'est lui qui a planifié toutes choses. C'est lui qui a planifié tout sur la terre pour que l'homme vienne y habiter. Ton cœur ne sera jamais troublé si tu crois impérativement à Dieu. Oh non, comment je peux croire en Dieu? Un Dieu dont je ne vois pas. Je peux le croire comment? Écoute, très cher téléspectateur. Ce n'est pas dû que lorsque tu ne vois pas quelque chose, cette chose-là n'existe pas. Les microbes, on ne les voit pas. Mais les microbes existent. À l'œil nu, on ne peut pas voir les microbes. Mais les microbes existent. Je vous donne seulement un exemple. Dieu existe. Oh non, je peux croire seulement quelque chose que je peux voir. Mais les microbes, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Seulement à l'aide des microscopes. S'il n'y avait pas les microscopes, personne ne pourrait voir les microbes. Alors qu'est-ce que tu diras? Les microbes n'existent pas. Dieu existe. Aujourd'hui, il y a plusieurs cas de suicides. Les gens n'arrivent plus. Et au finish, il met terme à leur vie. Pourquoi? Parce que pour eux, Dieu n'existait pas. Ils n'ont pas de l'espérance. Lorsque ton homme intérieur est troublé, c'est fini. Tu prendras des décisions suicidaires. Pourquoi? Parce que ton homme intérieur est troublé. Que votre cœur, ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Ton cœur ne sera jamais troublé si tu crois en Dieu. Croire en Dieu, ça signifie croire que Dieu existe, il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a réglé la température. C'est lui qui a réglé les vents. C'est lui qui a planifié les systèmes, tous les systèmes écologiques. C'est lui qui a planifié l'écosystème. C'est lui qui a réglé les vents, la température. Celui qui a réglé toutes choses. Tu dois croire à l'existence de Dieu. Si tu ne crois pas à l'existence de Dieu, la panique emportera. Celui qui croit en Dieu, il ne peut jamais emporter par la panique. Dieu existe.
La Bible nous dit dans le livre des Colossiens, chapitre 1, premier verset 15. Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. Le mot aoratos en grec, qui a été traduit par invisible, ne signifie pas seulement invisible, ça signifie aussi jamais vu. Dieu n'est pas invisible. Dieu est visible. Je viens de dire encore, Dieu n'est pas invisible, Dieu est visible. Parce que Moïse parlait avec Dieu. Adam parlait avec Dieu. Genèse, chapitre 3, verset 9 à 10. Moïse parlait avec Dieu. Il parlait face à face avec Dieu, comme un homme parle avec son prochain. Exode 33, verset 11. Lisons ça, Exode 33, verset 11. Exode 33, 11. L'Éternel parla avec Moïse, face à face, comme un homme parle à son ami. Dieu parlait avec Moïse, comme un homme parle avec son ami. Dieu n'est pas invisible, Dieu est visible. Praise God, alléluia. Tu peux voir Dieu. Parce qu'il fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Praise God. La panique n'est pas pour les gens qui croient en Dieu. Vous savez pourquoi? Prenons Psaume. Psaume 125. Psaume 125. Psaume 125, verset 1. Psaume 125, verset 1. Cantique des décrets de David. Sans l'Éternel, qui nous protégea? Qu'Israël les dise. Sans Dieu, qui nous protégea? La panique n'est pas pour les gens qui croient en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu les protège. Dieu protège les siens. Les jours, nous avions eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus les peuples de Dieu. Donc, comme nous sommes devenus les peuples de Dieu, nous sommes sous la protection de Dieu. Celui qui croit en Dieu, la panique ne peut jamais contrôler sa vie. Praise God, alléluia. Ésaïe 40. Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31. Ok. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur face.
Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se laissent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Oh, c'est fantastique. Isaïe 40, 31. Mais ce qui se confie à l'Éternel renouvelle leur force. Dieu renouvelle la force de tout ce qui se confie en lui. Dieu renouvelle la force de tout ce qui lui donne confiance. La panique n'est pas pour les gens qui croient en Dieu. Par contre, ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est panique. Et ils sont capables de tout faire. Ils sont capables de se suicider. Pourquoi? Parce que la panique touche l'homme intérieur. Et si l'homme intérieur est touché, c'est fini. Mais c'est lui qui croit en Dieu. Dieu le protège. Dieu renouvelle sa force. Praise God, hallelujah. Lisons Psaume. Psaume 91. Psaume 91, verset 1er. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge. Psaume 91, verset 1er jusqu'au verset 3. J'aime beaucoup ces psaumes. Si vous lisez tout ce chapitre 91, vous remarquerez que Dieu est merveilleux. Praise God, hallelujah. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous la protection de Dieu, sous la couverture de Dieu, il est rassuré. Celui qui est entre les mains de Dieu, sa protection est assurée. Et que nous dit le verset 3? Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. L'oiseleur, c'est qui? C'est les méchants. C'est lui qui croit en Dieu. Dieu les délivre toujours. L'oiseleur, c'est le diable. L'oiseleur, c'est des esprits négatifs. Il y a des gens qui veulent ton échec. Il y a des gens qui veulent ta mort. Il y a des gens qui veulent ton échec. Il y a des gens qui veulent que tu meurs de cette maladie. Ce sont là les loiseleurs. Mais la Bible nous dit, Dieu délivre. Verset 3, car c'est lui qui te délivre du filet des loiseleurs. Toute personne qui viendra tendre les pièges devant toi, Dieu te délivrera. Tu ne tomberas pas dans leurs pièges. Pourquoi? Parce que Dieu
et ta protection. Prince God, alléluia. Ne panique pas. Parce que Dieu est ta protection. Ne panique pas. Parce que Dieu est la solution de ta vie. Ne panique pas. Parce que Dieu ne t'abandonnera jamais. Ne panique pas. Il dit à Josué, qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Josué chapitre 1er, verset 8 à 9, nous allons lire ça. Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er, verset 8 à 9. Josué chapitre 1er. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce qui t'est. Dans tout ce que tu entreprendras. Dieu dit à Josué, hé Josué, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne te panique pas. Pourquoi ne te panique pas? Parce que je suis avec toi, je ne t'abandonnerai jamais. Dieu n'abandonne pas les siens. Nous sommes devenus les chiens de Dieu. Les jours, nous avions eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je ne cesserai de le dire. Parce qu'en Christ, nous avions eu tous les privilèges à Dieu. En Christ, nous sommes devenus des nouvelles créatures. En Christ, nous sommes devenus des enfants de Dieu. En Christ, nous bénéficions toutes les promesses que Dieu a promis à Abraham. En Christ, notre vie éternelle est assurée. En Christ, tel que Dieu est, tel que je suis dans ce monde. En Christ, je suis béni sur toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus dans le lieu céleste. En Christ, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. En Christ, avec Dieu, je célèbre les exploits parce qu'il a écrasé nos ennemis. Oh, praise God, hallelujah. En Christ, alléluia, alléluia. Prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Ne te panique pas. Que cette maladie ne te panique pas. Je te dis encore que cette maladie ne te panique pas. Que la situation que tu es en train de traverser ne te panique pas. Ne te panique pas. Prends courage. La panique est un instrument déstabilisateur de l'homme. La panique déstabilise l'homme intérieur. La panique déstabilise l'esprit de l'homme. Vous savez, la sortie des enfants d'Israël, toutes les villes qui étaient aux alentours étaient paniquées. La sortie des enfants d'Israël a paniqué toutes les nations.
Israël passé. Et vous remarquerez que Israël a bâti toutes ces nations. Toutes les nations qui étaient paniquées à la sortie des enfants d'Israël. Ces nations étaient battues. Lorsque la panique saisit ta vie, c'est fini, tu es cuit. Toutes les nations qui tremblaient devant les enfants d'Israël, ils étaient battus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient paniqués. Ne panique pas. Parce que Dieu est avec toi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Celui qui croit en Dieu ne panique pas. Praise God. Alléluia. Croire en Dieu ne suffit pas. Croire en Dieu ne suffit pas. Parce que Jean chapitre 14, verset 1 nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. C'est Jésus qui disait ça. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Croire en Dieu ne suffit pas. Tu dois croire aussi en Jésus. Pourquoi croire en Jésus? Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Il est l'effigie de Dieu. Le mot empreinte en grec, c'est caractère. Caractère signifie effigie. Caractère signifie caractère. Caractère signifie expression. Jésus est la photo de Dieu. Jésus est la représentation de Dieu. Praise God, alléluia. Lisons Matthieu, Matthieu chapitre 11, verset 27. Matthieu 11, 27. Matthieu 11, 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui qui a le Fils veut le révéler. Jérémie. Jean chapitre 11, verset 27. Toutes choses m'ont été donné par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne connais pas Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a révélé Dieu aux hommes. C'est Jésus qui nous a expliqué comment est Dieu. C'est Jésus qui nous a révélé la nature de Dieu. Donc celui qui ne croit pas en Jésus, il ne croit pas en Dieu. Parce que c'est Jésus qui nous a révélé la nature de Dieu. C'est Jésus qui nous a révélé comment est Dieu. Jean chapitre 3, verset 35. Jean 3, 35. Le Père aime le Fils et il a mis toutes choses entre ses mains. Le Père aime le Fils et il a mis toutes choses entre ses mains. Dieu a mis toutes choses entre les mains de Jésus. C'est-à-dire que tu ne peux rien recevoir si tu ne crois pas en Jésus. Parce que Dieu a mis toutes choses entre ses mains. Donc croire en Dieu ne suffit pas. Il faut croire en Jésus.
Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi à moi. C'est-à-dire Christ. Celui qui croit en Jésus ne peut pas être paniqué. Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans les seins du Père et celui qui l'a fait connaître. Personne n'a vu Dieu. Et c'est Jésus, celui qui l'a fait connaître aux hommes. Jésus a vu Dieu. Jésus connaît comment est Dieu. Et c'est lui, celle qui nous a expliqué comment est Dieu. Praise God, alléluia. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est-à-dire, lui, il a vu Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Jésus était avec Dieu. Jésus a vu Dieu. Vous savez, chez nous, il y a un adage. On dit souvent, si le crocodile te dit, si le crocodile te dit que l'hippopotame est malade, il faut le croire. Si un crocodile te dit que l'hippopotame est malade, il faut le croire. Donc si Jésus t'explique comment est Dieu, il faut le croire. Pourquoi Jésus était avec Dieu? C'est lui seul qui nous a expliqué comment est Dieu. Jean chapitre 3, verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus est le sauveur. C'est lui seul qui paie. Nous sauver. C'est-à-dire, croire en Dieu ne suffit pas. Il faut croire à celui que Dieu a envoyé. Tu dois croire que c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ pour notre salut. Moi, je connais les gens qui disent que non, moi, je crois seulement en Dieu, je ne crois pas en Jésus. Non. Si tu ne crois pas en Jésus, ça signifie que tu ne crois pas en Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Comment tu peux croire à Dieu et tu ne crois pas à celui que Dieu l'a envoyé? Donc si tu ne crois pas à celui que Dieu a envoyé, ça signifie que tu ne crois pas en Dieu. Ou soit tu crois en Dieu et tu crois aussi à celui qui l'a envoyé. Croire en Jésus, ça signifie croire que Jésus était envoyé par Dieu pour nous sauver. Croire en Jésus, ça signifie croire que Jésus-Christ était mort et ressuscité par la gloire de Dieu. Croire en Jésus, ça signifie Jésus a dépouillé toutes les dominations, les autorités, toutes les puissances. Croire que Jésus a vaincu le diable. Tu dois croire à cela. Croire en Jésus-Christ, ça signifie croire qu'il y a le salut en aucun autre nom. Seul le nom de Jésus qui sauve. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Ne panique pas. Parce que en Christ, tu es plus que vainqueur. Romains chapitre 8, verset 37. Romains 8. Romains
Praise God, hallelujah. Romains 8, verset 30. 37. Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ne panique pas parce que tu es plus que vainqueur en Christ. Ne panique pas parce que tu es victorieux en Christ. Ne panique pas. C'est toi le vainqueur. Ne panique pas parce que tu es plus que vainqueur. La Bible dit, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. En toutes, Jérémie. Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes choses, devant la maladie, nous sommes plus que vainqueurs. Devant la famine, nous sommes plus que vainqueurs. Devant la confusion, nous sommes plus que vainqueurs. Devant toute attaque, nous sommes plus que vainqueurs. Praise God, hallelujah. Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ne panique pas. Parce que l'esprit qui avait resté Christ entre les morts habite en toi. Ne panique pas. Le Saint-Esprit est en toi. Ne panique pas. Si le Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et ce Saint-Esprit-là habite en toi, ne panique pas. Ne panique pas. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est lui qui est en toi. Qui est en toi, c'est Dieu. Qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est en toi et plus fort que celui qui est dans le monde. Praise God, alléluia. Quiconque se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ne panique pas. Parce qu'en Christ, tu as formé un seul corps avec lui. Tu as formé un seul corps avec Christ. Praise God, alléluia. Ne panique pas. Psaume 60, verset 12. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Pourquoi tu feras des exploits? Parce qu'il a écrasé tes ennemis. J'ai dit, ne panique pas. Tu es plus que vainqueur. La panique n'est pas pour les gens qui croient en Dieu et en Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Praise God, hallelujah. J'ai dit, tu es plus que vainqueur. J'ai dit, tu es plus que vainqueur. J'ai dit, tu paies tout en celui qui te fortifie. La panique n'est pas pour les gens qui croient en Dieu et en Jésus-Christ. Croire en Dieu, ça signifie croire que Dieu existe. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a réglé la chaleur, le vent. C'est lui qui a planifié toutes choses pour que l'homme vienne habiter sur la terre. Le monde n'est pas un effet d'hasard, comme les scientifiques nous font croire que l'homme est le résultat de l'évolution. C'est fou cet enseignement. Explique-moi un peu les phénomènes de l'écosystème. Tout est bien réglé. La température, la chaleur, les vents, tout est bien réglé.
Et c'est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a réglé ces choses. Il y a quelqu'un qui a stabilisé ces choses. Et cette personne-là s'appelle Dieu. L'homme ne vient pas du singe. L'homme n'est pas le fruit de l'évolution. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Praise God. Vous savez, à l'école, on nous a appris beaucoup de choses là. Les Homo sapiens, les Pithecanthropes, les Homo erectus. Ça, c'est de la fouteuse. L'homme ne vient pas du singe. L'homme a été créé par Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les gens veulent effacer l'existence de Dieu dans les cœurs des gens. C'est le diable qui est derrière ces choses. Et c'est par ces choses, le monde d'alors a été submergé dans l'eau. Suivez mes prédications sur le monde entier chaotique. Lorsque l'humain comment arrive à renier l'existence de Dieu, l'existence de son créateur, au finish, il y a des représailles pour ceux qui ne croient pas. Dieu existe et Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut pas la mort des pécheurs. Dieu n'a aucun intérêt de voir les pécheurs mourir. Dieu veut les salir de tous. Praise God, hallelujah. La panique n'est pas pour les gens qui croient en Dieu et en Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en Jésus-Christ. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce message. Que notre cœur ne se trouble point. Papa, merci. Merci parce que nos vies sont entre tes mains. Merci parce que tu es le soutien de notre vie. Merci parce que celui qui se confie en toi n'est pas confondu. Je bénis ton nom parce que tu es le soutien de notre vie. Je bénis ton nom, tendre Père, parce que nos vies sont entre tes mains. Reçois toute la gloire parce que la panique n'a pas la place dans notre vie. Reçois toute la gloire, tendre Père, parce que tu es notre soutien. Papa, j'ai béni ton nom. Merci parce que tu es le soutien de ma soeur. Tu es le soutien de mon frère. Tu es l'espoir de ma soeur. Tu es l'espoir de mon frère. Papa, j'ai béni ton nom. Merci parce que ta parole a eu la place dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Papa, j'ai béni ton nom. Je te rends toute la gloire. C'est toi qui es notre Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.